Le centre de référence des dysplasies fibreuses des os est situé à Lyon, à l'hôpital Édouard Herriot, et comporte plusieurs sites dans la même ville, puisque dans la maladie, il y a des aspects pédiatriques et des aspects adultes. L'hôpital Édouard Herriot est un hôpital d'adultes, et puis nous travaillons étroitement avec un hôpital qui est tout proche, à distance de marche, qui est l'hôpital femmes-mères-enfants. On associe finalement plusieurs disciplines. La rhumatologie qui s'adresse aux problèmes osseux, l'endocrinologie qui s'adresse aux problèmes endocriniens de l'adulte et de l'enfant, des pédiatres bien entendu, et des chirurgiens orthopédistes de l'enfant et de l'adulte. Donc, le centre de référence maladie osseuse constitutionnelle est situé à Paris. Il est multisite, Necker Enfants Malades est le site coordinateur, mais il comprend également Trousseau, site pédiatrique, La Riboisière et Cochin, deux sites adultes, et 14 centres de compétences qui sont répartis sur tout le territoire national. Il existe plus de 432 maladies osseuses constitutionnelles, donc il est très difficile de prendre en charge toutes ces maladies, mais l'un des rôles du centre de référence est d'en faire le diagnostic, mais certaines sont extrêmement rares, décrites dans des familles uniques, donc il y a une vraie mission d'expertise diagnostique dans ce centre de référence. Et l'un des challenges de notre centre de référence, c'est de décrire les histoires naturelles de ces maladies pour en améliorer la prise en charge de la période anténatale à la période adulte. Alors, le centre de référence des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphore est situé à l'hôpital Bicêtre à Paris. C'est un centre de référence multisite. Nous, on est coordinateur à Bicêtre, mais il y a beaucoup d'autres sites en France, en particulier le site de Limoges, de Toulouse, de Rouen et de Caen. Dans ce centre de référence, ces maladies qui impliquent d'avoir un taux de calcium bas ou un taux de bas ou élevé ou un taux de phosphore bas ou élevé, vont avoir un retentissement important sur le squelette, mais aussi sur beaucoup d'autres organes. Donc, travaillent avec nous les chirurgiens orthopédistes pédiatriques et adultes, les rhumatologues pédiatriques et adultes, les diététiciennes. On a des infirmières spécialistes qu'on a formées à nos côtés. On a également des neurochirurgiens qui travaillent beaucoup avec nous. Et les dentistes sont très présents puisque les dents sont un tissu minéralisé formé de calcium et de phosphore. On a bien sûr pas encore de connaissances sur l'avenir complet de ces thérapeutiques et on va le découvrir avec les patients. Ça n'empêche que ces nouvelles thérapeutiques n'enlèvent pas toute la prise en charge multidisciplinaire qu'on doit faire autour avec les patients.